Le vol à question. C'est officiel, le vol à question. On pige des questions au hasard préparées par notre recherchiste Isabelle Boulris. Alors, j'ai pigé. Okay. De quel sujet tu peux parler pendant des heures à un point que tes proches n'en peuvent plus? Je peux parler d'astrologie, de fantômes, d'esprit, de trucs pour la sauge, pour les sortir de la maison. Oui. J'adore parler de ça. Je suis souvent la dernière à vouloir continuer à en jaser. Hey, mais quand les autres autour de toi seront tannés, appelle-moi, parce que moi, j'adore ça aussi. Ah oui, ça me fascine. Bon. OK, j'ai pigé aussi. Quelle est l'information la plus inutile que tu as imprimée à vie dans ton cerveau? Oh! Hey, moi, c'est drôle parce que je sollicite beaucoup ma mémoire à court terme pour mon travail à la télé. Ouais. Tu sais, quand on reçoit un invité, j'apprends beaucoup d'informations. Puis moi, je me rappelle d'informations là, sur à peu près tous les artistes du Québec depuis Deux filles le matin. Oh, c'est mon comme Dieu! Mes dossiers de recherche sont imprimés dans ma tête. Ben voyons! Tu sais, j'ai l'air d'avoir une super mémoire, mais j'oublie des pans de ma vie, moi, là. Tu comprends wow. pas? Tu sais, mon chum me dit, voyons, je t'en ai parlé hier. M'en souviens pas. Ben voyons! Je te jure! Oh, mais oui. pour ces affaires-là, qu'est-ce que Guy Mongrain me dit en 95? Je vais te le dire. Tu Mon comprends? Dieu, tu fais vraiment le bon métier. Ben, on dirait, en tout cas. C'est utile. Qu'est-ce que tu es incapable de manger? Enceinte, les crevettes. Ah. Quand j'étais enceinte de Léa, là, puis même, je voyais des pubs de crevettes de brasserie, de Fleurimonde. Tu sais, moi, je suis à Grenville, là, comme en Estrie. J'étais incapable de regarder la télé. Je me tournais physiquement la tête. Ça me levait le cœur. Puis encore aujourd'hui, des fois, j'ai comme une grosse crevette, là, ouais. pas capable. Ah, hier, on a mangé une coquille Saint-Jacques à la maison, puis il y a des petites crevettes de ma tante, là. Tu sais, comme, je mange, mais elle me roule un peu dans la bouche. C'est limite, là. Plus capable des crevettes. Moi, c'est les abats. Abats, j'aime pas ça. Ah, ouais, juste le mot. Ouais, juste le mot, dans le cœur. Et une fois, je me rappelle, je suis allée dans un restaurant, puis là, je regardais le menu, puis je trouvais, mon Dieu, ça a donc bien de l'air bon. Un riz de veau. Je disais, ah oui, un bon riz avec du veau. Non! J'étais sûre que c'était ça. Hey, ça arrive, les petites boules dans l'assiette. Non! Ah, ça va tellement dégueuler. Ah, non, vraiment. Non, ben pas heurt, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça, mais pour moi. Respect. Il y en a qui aiment les crevettes aussi, mais bon. Qu'est-ce que t'aimes le plus de toi? Oh mon Dieu, ça c'est un exercice pas évident. Qu'est-ce que j'aime le plus de moi? Attends un peu, faut que je réfléchisse. Je pense que c'est mon côté battant. Oh. Moi, je suis une battante. Bravo. Moi, je suis quelqu'un qui baisse pas les bras. En fait, on pourrait dire tête de cochon aussi. Ah, j'aime ça. Non, mais ouais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je fais. Par exemple, mon métier, tu sais, ça fait 23 ans cette année que je fais mon métier. Puis il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je lâche jamais. Ah, oh, ouais. Ouais. C'est beau ça. C'est peut-être ça. Exercice difficile, ça. Toi, c'est quoi? J'ai aucune idée. Je viens de piger dans question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'envoyer, oh mon Dieu, un texto malaisant par erreur à quelqu'un? Je salue mon ancien gérant Jean Lapalme, à qui j'ai envoyé « Je t'aime ». Pas rapport. Ah, oh, puis là, j'étais comme mal de... Mais là, non, je t'aime pas, mais tu sais, je t'aime, mais pas je t'aime d'amour. Fait que là, j'ai excusé, c'était pas pour toi, mais bonne journée avec un bonhomme, fait que clin d'œil. Ah, clin d'œil. Malaise, c'est drôle. Rythme.